Alors, merci beaucoup. J'aimerais d'abord clarifier que nous allons traiter aujourd'hui de la contribution des données ouvertes donc à la transformation numérique de l'État. Donc, la perspective sera une perspective de mise en œuvre, de déploiement donc des diverses stratégies de données ouvertes. Nous nous sommes donné chacun des niveaux de gouvernement. Donc, nos gouvernements nous ont orientés. Maintenant, comment on arrive à mettre en place ces diverses stratégies gouvernementales? Alors, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On sait que la question des données ouvertes, en fait, prédate beaucoup des stratégies de transformation numérique et que, on doit aujourd'hui, tenter de faire converger tous ces exercices, toutes ces expériences, de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans, le développement, la transformation de nos organisations publiques. Alors, et on sait que ce n'est pas simple. On a vu depuis le début du sommet, l'importance qu'on accorde de plus en plus à cette question d'ouverture des données, qui n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, comme vous l'avez dit dans votre introduction. On a vu aussi depuis le début les bénéfices que cela peut permettre à différents niveaux lorsqu'on ouvre les données et qu'elles sont réutilisées. Et on a vu de très belles initiatives aussi. On en verra encore aujourd'hui, bien sûr. En même temps, cela demande pour les administrateurs publics des efforts. Ça demande en fait des changements assez importants. On le sait, lorsque les données sont créées, elles ne sont pas nécessairement créées et historiquement, elles ne l'étaient définitivement pas pour être ouvertes, non pas parce qu'on souhaitait ne pas les transférer, c'est que ça ne faisait pas partie du paradigme de gestion et donc on les créait pour l'interne. Quand on les ouvre, ça soulève un certain nombre de questions, d'enjeux, de défis, qu'il faut relever. Et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec nos trois invités. Et effectivement, nous sommes très heureux d'avoir les trois niveau de gouvernement. Je commence, je vais présenter nos interlocuteurs, nos panélistes ce matin, et puis après, j'irai avec mes questions et on y répondra à tour de rôle. On a avec nous Véronique Dufort, qui travaille au sein du laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal. Elle y coordonne l'équipe des données ouvertes et la stratégie des données ouvertes de Montréal. Véronique est ingénieure en géomatique et elle a développé une expertise municipale assez élargie, mobilité, infrastructure urbaine, etc. Nous avons aussi Monsieur Denis Skinner, qui est le directeur exécutif du changement numérique au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Denis est titulaire d'un baccalauréat en génie et d'une maîtrise en administration des affaires. Il a mené de nombreuses initiatives à travers une multitude de ministères fédéraux, liés à des transformations technologiques, numériques, etc. Une vaste expérience pour nous parler aujourd'hui de cette question des données ouvertes. Et finalement, nous avons Pierre Rodrigue, qui est actuellement secrétaire associé à la transformation numérique et dirigeant principal de l'information. Pierre a une expérience très, très vaste, 30 ans passés au gouvernement provincial, dans différents postes. Il est notaire de formation, et une formation en droit, il a travaillé dans divers ministères et aussi dans certains ministères à des postes où on devait faire des transformations numériques, entre autres, emploi et solidarité sociale, où on a remis en fait des projets stratégiques où on a créé finalement des services web, au tout début de ces initiatives que l'on connaît aujourd'hui. Alors, bienvenue à nos panélistes et c'est très intéressant parce qu'on aura un point de vue très diversifié et qui est très important parce que chaque niveau de gouvernement a des données différentes, plus ou moins sensibles, de proximité. Alors, c'est très intéressant de voir comment tout ça va se déployer. Alors, je commencerai peut-être avec Pierre, poser la première question. Comment voyez-vous la transformation numérique et quelle est votre stratégie pour la déployer en intégrant l'enjeu de l'ouverture des données? Merci, professeur Caron. En fait, notre vision de la transformation numérique, elle est concrétisée dans notre stratégie 2019-2023 et on veut mettre ça relativement simple. Comme vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que je suis au gouvernement du Québec, dans différents grands ministères, et je me rends compte jusqu'à quel point, encore pour les citoyens, ça peut être compliqué d'obtenir des services de l'État. Avec la transformation numérique, au départ, il faut faire de la transformation. Il faut
revoir la façon, tous nos processus de travail, la façon dont on donne nos services avant de mettre ça dans le numérique. Et ça veut dire, c'est simplifier les formalités, ça peut vouloir dire même les éliminer. Dans le fond, il faut tendre à être capable de rendre des services sans que le citoyen ait besoin de nous les demander. Et pour ça, la donnée et la gestion de la donnée est extrêmement importante, comme ceux qui ont lu notre projet de loi 95 qui a été adopté en juin dernier, qui modifie la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. Vous voyez l'importance que nous donnons à la gestion de la donnée numérique, au point où on a créé également un poste de gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale. On pourra y revenir plus tard, mais c'est fondamental dans la transformation numérique que l'on puisse gérer, avoir les mécanismes et les moyens d'utiliser la donnée, les millions de données et probablement les milliards de données que l'ensemble des organismes publics ont, disposent, au fin de simplifier les services qu'on va rendre à la population pour les rendre simples, intuitifs et le moins compliqué possible pour la population. Merci, M. Rodrigue. Madame Dufort. Excuse. Oui, merci. Probablement qu'on va avoir des positions convergentes sur la transformation numérique, parce qu'en réalité, dans le contexte où on est une pleine révolution numérique sans précédent, les technologies là, sont dorénavant partout dans les sphères de notre quotidien. C'est évident que comme administration publique, on doit saisir les opportunités de se renouveler, mais tout en assurant que l'utilisation des nouvelles technologies, elle respecte les droits fondamentaux de nos citoyens et que ça se déploie dans un esprit de bien commun. Dans le fond, les technologies, le numérique, là, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'améliorer la desserte de nos services aux citoyens et d'accroître finalement la qualité de vie. Puis, moi, j'ai la chance d'œuvrer au sein d'une administration municipale. C'est tout particulièrement intéressant de se pencher là, sur le potentiel des outils parce qu'on a une panoplie de solutions à trouver pour mieux rendre des services de proximité au niveau des municipalités. On gère la sécurité civile, on gère la salubrité des rues, des logements, la gestion des matières résiduelles. C'est des projets, des applications concrètes. Donc, on a des opportunités décuplées de trouver des solutions à ces services de proximité-là, mais il y a aussi des risques de nuire à la liberté individuelle ou collective en multipliant des outils de surveillance, par exemple, ou peut-être des dispositifs de contrôle qui se veulent pas malveillants initialement, mais tu sais, il y a un risque, donc je pense que c'est important qu'on mette un cadre, puis c'est justement là que nos stratégies vont. À Montréal, on a la chance d'avoir un leadership fort au niveau du numérique. Puis là, je parle pas que de la ville, je parle surtout là, de l'effervescence de tous nos écosystèmes qui gravitent autour du numérique. Montréal, c'est le berceau de l'apprentissage profond. C'est une plaque tournante là, en recherche puis en avancée sur l'intelligence artificielle. On a aussi un écosystème de start-up, mais tout ça, ça devient intéressant d'avoir tous ces acteurs-là qui se groupent ensemble puis qu'on ait une vision concertée puis des orientations. Donc, nous, au niveau de nos stratégies, on en voit quatre. J'en vois quatre là qui sont particulièrement intéressantes. D'abord, celle de Montréal 2030. Une nouvelle stratégie qu'on a livrée là il y a un an. Un plan stratégique qui confirme des orientations pour Montréal, des orientations qui ont été concertées avec la population. Dans le fond, on a co-créé Montréal 2030 avec la population pour se doter d'orientations qui sont, en fait, je vais vous les nommer pour vous montrer à quel point c'est fort, là, accélérer la transition écologique, renforcer la solidarité, l'équité, l'inclusion, amplifier la démocratie, la participation, stimuler l'innovation, la créativité. Donc ça, dans le fond, toutes nos actions du numérique, elles doivent aller dans ce sens-là. Puis le numérique, ce n'est qu'un outil. Évidemment, après, on a des assises. On a créé Montréal numérique, qui est encore une fois une démarche collective qui nous permet finalement de prioriser nos actions qui vont aller dans le sens de ces orientations-là.
Je pense que nos actions à Montréal au niveau du numérique, ce qu'elles ont d'unique là avec Montréal 2030, c'est toute l'approche, cette volonté d'humaniser finalement le numérique. Ça a été mentionné, c'est important que les citoyens se sentent partie prenante. C'est difficile d'aller le chercher, puis on espère avec ces stratégies-là qu'on trouve des nouvelles façons d'amener les citoyens dans la conversation, puis de rester toujours à l'écoute de ses besoins. Puis là, bien évidemment, j'ai pas parlé de données, mais pour moi, je veux dire, je suis une personne en données à la Ville de Montréal. On développe les stratégies. Les données sont au cœur de ces stratégies-là. La transformation numérique, à la lecture de Montréal numérique, vous pourriez le voir, elles sont partout. Donc, c'est essentiel qu'on se trouve des mécanismes d'encadrement de ces Et données. On va y revenir en détail. On va y revenir en détail parce qu'effectivement, on parle de données ouvertes, je vous entends bien et je fais déjà un parallèle là avec M. Rodrigue qui nous parlait du projet de loi 95 qui va amener beaucoup plus d'horizontalité interministérielle, créer un nouvel écosystème. Vous parlez d'écosystème donc avec des partenaires, etc. Donc, on voit que cette transformation numérique change nos manières de faire. Monsieur Skinner, qu'en est-il au niveau du gouvernement fédéral? Merci des excellents points de mes collègues. Au sein du gouvernement du Canada, notre vision est que chaque personne puisse accéder à n'importe quel service du gouvernement fédéral à tout moment à partir de n'importe quel appareil. Et pour accomplir cela, nous sommes axés sur les priorités suivantes. Alors, moderniser la manière dont nous gérons les grands projets informatiques, accompagner les ministères pour répondre à leurs besoins numériques, créer des plateformes et des systèmes gouvernementaux qui permettront aux Canadiens et Canadiennes de trouver et d'utiliser facilement les services gouvernementaux, et enfin, réformer les barrières institutionnelles aux changements qu'ils ont retenus dans le passé. Donc, pour les personnes qui utilisent des services gouvernementaux fédéraux, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de formulaires papier, télécopie, terminer les services gouvernementaux déroutants et difficiles à trouver, et plus besoin d'appeler et rester interminablement en attente pour obtenir une mise à jour sur une application ou une transaction. Fini aussi les connexions compliquées avec des informations d'identification facilement oubliées. Et de matière concrète, l'implémentation de cette vision sera faite avec notre plan stratégique des opérations numériques 2021-24 publié sur l'Internet ouvertement. Ça définit nos priorités pour les trois prochaines années. Elle sera guidée par nos normes relatives du numérique du gouvernement du Canada. Ces normes qui ont créé conjointement avec le public ouvertement, ainsi que des groupes d'intervenants clés, elles guideront nos équipes dans la conception de nos services numériques et permettront mieux servir les Canadiens et Canadiennes. C'est vraiment ça notre vision. N'importe quel appareil, n'importe où, n'importe comment. Donc, il y a vraiment une convergence des vues, effectivement, comme le soulevait Mme Dufort. Et j'aimerais rappeler aux participants qui peuvent utiliser le clavardage pour envoyer des questions, donc faire parvenir des questions qui me sont transmises et que je pourrai poser tout à l'heure donc à nos panélistes. Si on poursuit la réflexion, donc je pense que bon, il y a une stratégie, clairement, il y a une stratégie de transformation numérique à tous les niveaux de gouvernement, et je pense qu'il y a une vision quand même commune, qui est une vision citoyenne, qui est une vision donc d'améliorer la vie de nos citoyens dans leur relation avec l'État. Si on revient, M. Rodrigue, quelle est la contribution justement des données ouvertes comme telles à cette initiative de transformation numérique? La question est intéressante parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que le citoyen que l'on dessert au gouvernement du Québec, c'est le citoyen que le gouvernement du Canada dessert et c'est le citoyen sur le territoire de la Ville de Montréal que la Ville dessert. Alors, on a à un moment donné des clients, des clientèles qui sont communes et la donnée ouverte, selon moi, là, nous permet d'ajouter des collaborateurs aux différents paliers de gouvernement pour, je dirais, faire passer le Québec ou le Canada ou les États là, dans de véritables États numériques. Parce que faut dire qu'au départ, la donnée ouverte, c'est clair que c'est un sous-ensemble de l'ensemble de la donnée numérique gouvernementale que nous avons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la perspective actuellement que nous avons en ayant créé le poste de gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale, c'est quelqu'un qui va faire l'inventaire des données dont les organismes publics disposent, que nous n'avons pas actuellement, s'assurer de la qualité de ces données-là, s'assurer également des niveaux de protection parce qu'il y a de la donnée qui peut pas circuler puis il y a de la donnée qui peut être très facilement rendue publique pour la communauté. Donc,
ce que l'on recherche et l'intérêt là de pouvoir utiliser les données ouvertes, puis si vous allez voir dans notre nouvelle loi, on a le gestionnaire de la donnée va pouvoir désigner des organismes pour devenir des organismes de diffusion de données de référence là qui vont provenir de l'ensemble de la masse des données de l'État pour être rendues publiques. Ben ça nous permet d'avoir des partenaires privés qui vont développer des services qui souhaitons-le, vont être cohérents avec l'offre de services numériques du gouvernement. Et concrètement, on veut faire ça pour le Service québécois d'identité numérique avec un portefeuille numérique. On commence à se familiariser avec le portefeuille vaccinal, mais ce qu'on veut de plus en plus, c'est offrir avec les services publics du Québec, des interactions avec des services qui sont donnés également par l'entreprise privée ou qui pourraient être développés de façon complémentaire aux services publics par l'entreprise privée. Et pour ça, ben il faut l'entreprise privée ou d'autres paliers de gouvernement, ils puissent avoir accès à la donnée du gouvernement, puis être capable de se fier à cette donnée-là aussi. Donc, alors il y a un travail en amont qu'on peut faire, parce que vous voyez, quand on va sur le site de Données Québec, on a à peu près 1200 enjeux de données qui sont là de différents paliers de gouvernement. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il y en a? On pourrait en avoir plus, certainement. Est-ce que ça pourrait être de la donnée qui pourrait être encore plus utile ou de qualité, pouvant être plus utilisée? Certainement. Mais pour ça, il faut qu'au départ, on ait l'inventaire global de la donnée dont on dispose au gouvernement, s'assurer, comme je vous l'ai dit, qu'elle soit de qualité, mais qu'elle soit bien protégée également parce qu'il y a de la donnée pour différents niveaux de sensibilité qu'elle ne peut pas être diffusée. Mais je me résume en disant que ça nous permet d'avoir pour la transformation numérique de l'État, il faut que ce soit également une transformation numérique du Québec. Et pour ça, bien évidemment, on a besoin de tous les acteurs et bien cette donnée-là bien, va être extrêmement utile pour ça, là. Donc, j'entends finalement que, effectivement, les données ouvertes sont au cœur de la stratégie de transformation numérique. Donc, elles sont très importantes. Tout à fait. Et on a une ambition là-dessus et on a dit que la donnée doit être redonnée aux citoyens, là. C'est-à-dire parce que c'est quand même avec les impôts et les taxes que les citoyens paient que cette donnée-là, souvent, est générée. Alors, il est tout à fait naturel qu'elle puisse être, cette donnée-là, retournée aux citoyens pour son bénéfice, là. Et que ce soit l'État qui crée le bénéfice ou une autre entreprise qui crée le bénéfice pour le citoyen. L'objectif, c'est toujours de desservir notre citoyen. Et de valoriser la donnée pour les panélistes, les participants. Donc, une ambition donc, qui fait partie de la stratégie numérique, qui est une des ambitions, effectivement, de la stratégie. Valoriser comme la donnée, tout à fait. Exact. Voilà, tout à fait. Merci. Ça m'amènera à d'autres questions parce que je trouve ça intéressant. Donc, vous allez avoir un gestionnaire de données qui va être intégré donc à l'équipe de transformation numérique, j'imagine, au Trésor. Tout à fait. C'est qu'en fait, je porte le titre officiel, mais évidemment, c'est quelqu'un de mon équipe là, qui va faire le travail et il faut en remercier le ciel que ce ne soit pas moi qui fasse tout ça. Alors, Madame Dufort, qu'en est-il de votre côté, donc, de cette contribution des données ouvertes à la transformation numérique? Vous aviez déjà entrepris là, une partie de la réponse tout à l'heure, alors je vous laisse la parole. Oui. Bien, comme je le mentionnais, pour nous, ben pour moi, les données jouent un rôle clé, mais c'est probablement en les partageant qu'on va vraiment pouvoir en tirer collectivement le plein potentiel. Puis dans le fond, les données ouvertes, là, c'est une démarche qui vise à ouvrir finalement une fenêtre sur la ville pour faciliter la collaboration, pour décloisonner la ville à l'interne avec d'autres paliers gouvernementaux, mais aussi faciliter une collaboration avec tous ces multiples écosystèmes dont je parlais tantôt. Je pense que la communauté, ben, elle doit être impliquée pour façonner la ville de demain. Puis pour y arriver, ben, les données ouvertes, ça offre un beau potentiel. Il faut voir les données ouvertes comme une matière première pour les projets innovants, que ce soit en mobilité, en transition, en inclusion. Puis par définition, ben nos gouvernements, je pense qu'on n'est pas toujours aussi agile qu'on le voudrait. Peut-être que c'est pas notre rôle non plus. En fait, on a un rôle de gardien aussi de l'intérêt public. On le mentionnait, il faut consulter, il faut créer les orientations avec la population. Ça prend du temps.
Puis on a une effervescence du côté de nos entreprises, du côté de notre milieu académique. Donc, c'est des opportunités à saisir. Il faut s'appuyer sur l'expertise de toute la communauté pour avoir des solutions à valeur ajoutée. Vous savez, tu sais, dans notre quotidien hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Sophie de Transit qui nous parlait de cet outil qui est exceptionnel, qui est utilisé à travers le monde. C'est appuyé par des données ouvertes, les données municipales, les données fédérales, toutes les données de transport en commun. Mais dans le fond, c'est une application qui est vraiment performante, mais qui n'est pas gérée par nous. C'est un exemple parfait où on publie de la donnée, puis elle sert vraiment en solution aux citoyens, elle améliore la qualité de leur vie, puis c'est pas, ça vient pas de nous, ces solutions-là. On est en période électorale, là, il y a plein de données qui vont sortir. Nous, les élections municipales arrivent à grands pas. Les meilleures cartes électorales, elles prennent nos données, mais c'est les médias qui les créent, ces meilleures cartes-là. La publication puis la démocratisation des données, ben ça passe aussi finalement par l'externe puis par notre communauté, donc on doit ouvrir nos données. En fait, ce qui définit bien qu'une donnée est un bien public, que je l'utilise, que quelqu'un d'autre l'utilise, elle est toujours là et on peut finalement l'utiliser maintes fois sans priver personne de ce qu'il voudra bien en faire. Et de cette façon-là, donc, on ouvre davantage. Alors, Monsieur Skinner, de votre côté, donc, quelle est cette contribution à la transformation numérique? Quelle est cette contribution des données ouvertes? Oui, merci. J'ai fait allusion un peu plus tôt aux normes numériques et notre engagement à les intégrer au travail qu'une faction va en transformation numérique. L'une de ces normes est axée sur l'idéal de travailler de manière ouverte par défaut. Alors, c'est écrit comme ça, travailler de manière ouverte par défaut. Et en ces temps de pandémie, prendre une approche qui privilégie les données ouvertes est plus vital que jamais. Nous travaillons d'arrache-pied vraiment à la diffusion ouverte des données probantes, travaux de recherche et d'éléments pour la prise de décision. Nous travaillons d'ailleurs sur les données ouvertes à la même manière que nous traitons les codes sources ouverts. Et ça, c'est mon exemple. En somme, en effet, tenu de réalisation que travailler de manière ouverte nous permet de changer nos processus et la manière dont nous collaborons. Ces jours-ci, si on désire collaborer avec une équipe de sécurité, par exemple, ça se fait principalement par le biais de documents partagés, de courriels. Cependant, si tout le monde, y compris l'équipe de sécurité, pouvait avoir accès au code, il pourrait contrôler directement à la base de ce code. Cette approche supprime beaucoup de processus superflus. De plus, travailler de manière ouverte nous donne aussi le moyen de trouver des gains d'efficacité. Je tiens à souligner que même si l'exemple que je viens de vous citer est plus étroitement lié au code des données ou données ouvertes, c'est quand même dans la référence de l'interopérabilité. Cette notion est étroitement liée au code et aux données ouvertes. M. Rodrigue a mentionné ce concept-là qu'à travers les juridictions, il faut qu'on collabore pour livrer nos services. Un autre exemple. Un peu concret, ce serait de demander une autorisation pour accès de données, qui peut être une perte de temps précieuse. Cependant, si ces données sont déjà publiées et non classifiées, ça serait vraiment redondant d'ajouter un processus supplémentaire pour les protéger et là pour les diffuser après. Alors, si ces données sont déjà partagées de façon ouverte, alors, on réduit beaucoup de processus internes pour leur diffusion subséquente. Alors, il faut vraiment qu'on travaille à réduire nos tâches manuelles pour mieux en faire le automatiser et rendre les données que nous publions visibles à différents groupes de citoyens pour les réutiliser ainsi qu'à apprendre à mieux faire les choses fondamentalement dans nos processus. Intéressant, merci. J'entends un écho encore là avec la nécessité ou la possibilité que cela offrira de travailler de façon intergouvernementale, non seulement interministérielle, mais le fait de rendre les données accessibles permettra à tout niveau de gouvernement, finalement, de pouvoir faire des liens. Ça me rappelle lorsque, il y a de cela très longtemps, donc pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souviendrez des pages bleues, où on avait les pages bleues municipales, provinciales et fédérales. Et lorsqu'on a travaillé autour de cette question, donc les gens nous disaient, écoutez, quand je cherche une piscine, peu importe qu'elle soit fédérale, municipale ou provinciale, je vais aller me baigner. Donc, j'ai besoin de savoir. Et le citoyen, c'est ce qu'il cherche, cette espèce de guichet un peu unique. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec les données ouvertes, on aura une meilleure intégration. Je poursuivrai en posant la question, c'est quoi les principaux défis pour cette ouverture des données? Monsieur Rodrigue. Ils sont de différentes natures. Là, au départ, et c'est ça qu'on a toujours le volet juridique. On est
Notre collègue de la ville de Montréal l'a mentionné, là, on est quand même dans un environnement où les protections de différentes natures, de différents types de données sont là dans les lois, les règlements. Et ça peut être un peu complexe, tout dépendant du type de données qu'on a pour les rendre publiques ou à tout le moins les anonymiser ou en extirper, une valeur qui peut être, intéressante là à être diffusée, tout en respectant la protection des renseignements personnels. Alors, c'est sûr que c'est un, pour nous, évidemment, la protection des renseignements personnels, c'est fondamental au gouvernement du Québec, comme dans tous les niveaux de gouvernement ou dans les entreprises. On a des enjeux d'ordre juridique. Le deuxième, c'est celui que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est, et je l'admets bien candidement, là, c'est d'être capable d'avoir un inventaire à jour de l'ensemble des données dont dispose l'État. Au Québec, là, je ne sais pas pour les autres niveaux de gouvernement, mais je soupçonne des échanges que nous avons avec nos collègues des autres juridictions que ça peut être un enjeu pour l'ensemble des gouvernements d'avoir un inventaire précis là, des données dont on dispose. Et lorsque on va l'avoir, c'est le premier travail auquel va s'atteler le gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale, c'est de le trouver parce que dans le fond, dans notre transformation numérique, on veut cesser que les citoyens, à chaque fois qu'il y a un nouveau programme, recommencent à refournir de la donnée qui a déjà fournie à un organisme public. Alors, lorsque l'État va disposer de l'information, on ne le redemandera plus aux citoyens ou à l'entreprise. C'est le gestionnaire de la donnée qui va pouvoir dire à l'organisme qui en a besoin, ben va t'alimenter à tel endroit puis qui va débloquer là, cette donnée-là pour qu'elle soit utilisée. Alors, c'est sûr qu'en ayant l'inventaire de la donnée, on va être en mesure aussi d'identifier laquelle peut être rendu disponible et valorisé là pour l'ensemble de la population là de l'écosystème là qui est susceptible de pouvoir aussi la valoriser. Donc, il y a un bout de valorisation qu'on peut faire au niveau du gouvernement du Québec et il y a un bout de la donnée qui peut être valorisé par soit un autre palier du gouvernement ou par le secteur privé. Mais le défi est aussi de la connaître. Le troisième défi, ben c'est la qualité de la donnée. Hein, c'est parce que comme dans n'importe quelle chose, c'est que à un moment donné, c'est une chose d'avoir le bien, mais encore faut-il que le bien soit de qualité. Alors, et avec le temps, ben, on accumule des données qui sont peut-être plus à jour, qui sont peut-être plus nécessairement complètes. Donc, il faut s'assurer qu'elles soient bien de qualité, là, cette donnée-là, puis et bien classifiée là, pour être sûr qu'on soit capable là, de libérer la bonne donnée au bon moment. Et avec après ça les technologies qu'on a, ça va être relativement facile là, de pouvoir la rendre disponible. Là. Mais tu sais, si je me résume, c'est on a quand même des enjeux de nature juridique, on a des enjeux de bien la connaître et ensuite d'être capable de l'identifier pour la rendre disponible. Mais c'est sûr que notre premier objectif est aussi de qu'elle puisse être utilisée à l'intérieur du gouvernement. Et ce qu'on veut aussi, c'est cesser de surmultiplier les bases de données parce que plus on a des bases de données nombreuses, ben plus il faut les protéger. On est dans un monde, là, faut le dire, là, de cybermenaces et de cyberattaques. Alors, plus on a de la donnée à protéger, ben plus évidemment, c'est compliqué et c'est cher c'est dispendieux là, pour maintenir les mesures de sécurité adéquates pour ces données-là parce qu'on a une responsabilité envers les citoyens. Mais comme vous voyez, le projet de loi 95 là, est un signal clair que le gouvernement du Québec là, a pris le taureau par les cornes et s'est donné les moyens aux dirigeants principaux d'information et
aux dirigeants d'information des portefeuilles ministériels aussi. Là, c'est un travail là, qui est de l'ensemble de la communauté gouvernementale là, de mettre tout ça en œuvre et qui va avoir pour conséquence que on va être davantage capable de mettre en circulation des jeux de données ouvertes là, lorsque l'exercice va être terminé. Donc, tout ça amène une certaine rigueur, en fait, et puis une rationalisation. Donc, quand on dit plusieurs bases de données, c'est un enjeu de sécurité, c'est aussi un enjeu de qualité, hein, on le sait, parce que si vous avez la multiplication des données, quelle est la bonne version, comment ça a été collecté, donc ça demande un travail beaucoup plus grand. Et vous avez fait allusion aussi, M. Rodrigue, en sous-texte, en fait, à cet enjeu d'interopérabilité. Donc, il y a quand même des enjeux technologiques qui doivent être résolus pour assurer justement ce partage, cette horizontalité. De votre côté, Madame Dufort, principaux défis? Les défis sont nombreux encore. C'est une bonne nouvelle parce qu'on est là, on est des équipes à fait qu'on a du travail pour longtemps. Mais je vous dirais, nous, on est en train de faire un plan d'action qu'on veut déployer. Puis vous voyez, à travers ce plan d'action-là, puis c'est un point qui a été mentionné en fait par notre maître de cérémonie tantôt. Il y a un grand enjeu qui demeure, c'est la démocratisation des données. Comment faire en sorte qu'au-delà d'une publication de données numériques, ben qu'elles soient utilisées, qu'on rende ça attrayant, que ce soit pas un public niche. Puis ce faisant, vous savez, nous, on est des administrations. Ben, la Ville de Montréal, on a l'opportunité d'être une plus grande équipe, mais je sais que pour travailler au partenariat Données Québec avec des municipalités de plus petite ampleur. C'est sûr que pour que ces démarches-là deviennent ouvertes, ben elles croient qu'on y mette plus de ressources, ben il faut susciter l'intérêt. On doit trouver des mécanismes pour mieux se mesurer, puis aussi avoir cette force pour en faire plus, pour les rendre de meilleure qualité, etc. Donc, il y a une balance là qu'on travaille toujours. À Montréal aussi, un de nos défis, ben, en 2015, on a publié une politique de données ouvertes qui était novatrice à l'époque avec le principe d'ouverture par défaut. Oui. Depuis, on travaille fort pour ouvrir toutes nos données, mais c'est beaucoup plus difficile que prévu. Donc, on arrive avec ce constat qu'on veut toujours maintenir l'ouverture par défaut, mais il faut les prioriser, puis il faut que nos données soient ouvertes avec un but. Donc, coller sur les enjeux, les besoins de nos citoyens. Là, on arrive avec un autre enjeu. Comment savoir qu'est-ce que les besoins et les enjeux des citoyens? On doit trouver des forums d'échange pour être capable de prioriser, d'être toujours collé à ces besoins qui viennent de l'académique. Évidemment, il y a des sujets d'actualité, la COVID notamment, qui nous donne des signaux clairs, là, mais parfois, il y a d'autres opportunités. Puis, je vais renchérir aussi sur les propos de mon collègue de Québec. Le sain usage des données, je le mentionnais tantôt, on a publié une charte de données numériques à la Ville de Montréal récemment avec une emphase sur l'importance de faire un sain usage des données et ce, dans tous les cycles de vie de la donnée. Donc, de sa collecte ou de sa non-collecte jusqu'à sa diffusion, l'encadrement de sa sécurité et de ses usages. Actuellement, il y a des défis sur la protection de la vie privée. Puis, plus qu'on ouvre des données, ben plus qu'il y a cette chance de coupler des données, finalement, c'est des jeux de données qui séparément peuvent être inoffensifs, mais en les couplant avec des données des réseaux sociaux, ben ça nous amène d'autres défis. Puis d'ailleurs, nous on travaille avec le milieu académique pour réussir à se challenger. Des fois, on nous revient en nous mentionnant que on a du travail à faire. On retourne à la table pour améliorer nos jeux de données. Donc ça fluctue dans le temps nos jeux de données. Puis, il faut être aussi au fait des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, toujours suivre. C'est une évolution rapide, puis il faut la suivre pour être certain qu'on maintient là ce respect de la vie privée. De la vie privée, il faut toujours rester vigilant sur les enjeux de collecte de données personnelles. Il y a une autre tension également qui existe. Tu sais, on parle du besoin de se coller aux orientations, puis aux besoins de la population.
Mais on a besoin de connaître la population, on a besoin de collecter plus de données personnelles sur nos populations, mais en même temps, on les veut de manière granulaire, faut pas trop en diffuser. Donc, il y a une espèce de balance d'équilibre là, à trouver. Puis finalement, ben les données, elles ne sont pas que ouvertes au fil de la dernière journée. On en a vu beaucoup là, des exemples où est-ce qu'on parle de partenariat de données, de mutualisation. Nous, nos organismes, nos administrations municipales, provincial, fédéral, ben on tend vers une des ouvertures par défaut, on veut tout rendre disponible. C'est pas toujours possible pour tous. Il y a des organismes privés, il y a des entreprises qui détiennent une mine d'informations, des Google de ce monde notamment. Il faut qu'ils trouvent leur balance. On a une notion de souveraineté, mais il faut qu'on trouve les bons mécanismes pour être capable de partager puis que tout le monde y trouve leur compte. Puis ça, ça reste encore un gros défi qu'il va falloir aborder. Alors, merci. Oui, effectivement, et ça rejoint un peu toute cette idée de cycle de vie. Je pense que les données aujourd'hui sont comme les chats, ont plusieurs vies. Donc, et elles sont difficiles à suivre, difficiles à protéger parce qu'elles sont réutilisées, réexploitées, etc. Donc, finalement, elles créent de nouvelles données avec l'intelligence artificielle, le 5G, tout ça va arriver. Donc, et déjà là d'ailleurs. Et donc, va nous soulever de nouveaux défis. Donc, qui vont devoir être pris en considération. Mais c'est un travail qui est aussi passionnant parce qu'on voit les bénéfices à la toute fin, mais il y a quand même des règles à suivre. Donc, et ce sont probablement les principaux défis des administrations. Monsieur Skinner, de votre côté, quels sont les principaux défis que vous retenez là? Ah oui. Monsieur Rodrigue a très bien touché aux enjeux légaux, la fondation d'avoir un inventaire complet et la qualité des données. Et le point de Mme Dufort sur la démocratisation des données est extrêmement important à retenir. Ouvert par défaut, c'est pas facile et ça prend un rappel constant. Alors, nous allons continuer la fédération des données ouvertes avec les provinces et territoires. C'est un fil conducteur de notre session aujourd'hui. Ça permettra de faciliter la découvrabilité des données et faciliter l'accès pour les citoyens. Comme vous le savez, la COVID-19 a mis en lumière l'importance des données ouvertes afin de permettre un suivi de l'évolution de la pandémie. Nous avons rapidement senti le besoin d'avoir des données. Les gouvernements ont rendu ces données disponibles publiquement dans ce format ouvert et prêts à être réutilisées. D'autres données fort pertinentes pour le public qui ont été rendues accessibles de manière ouverte sont celles concernant les taux de vaccination, par exemple. Les exemples que je viens de citer sont illustratifs d'un besoin concret des données ouvertes lorsqu'elles sont publiées, de manière responsable, bien sûr, et avec un objectif clair. Dans le futur, nous allons continuer à évaluer les besoins et travailler à rendre accessibles les jeux de données pertinentes. Alors, cependant, l'un des défis principaux que nous voyons est la standardisation des données à travers les différents ministères et les paliers du gouvernement pour permettre au regroupement des jeux de données. Ça est d'ailleurs le cas lorsque je choisis un jeu de données sur la COVID-19 puisqu'ils différaient d'une juridiction à l'autre. Alors, on a plusieurs défis et l'interopérabilité à travers la standardisation, c'est un concept clé qu'il va falloir continuer à travailler. Excellent, merci beaucoup. Donc, et tout ça se rejoint. Avant de passer à peut-être mes deux dernières questions, je vais introduire une question qui nous vient de l'auditoire. Donc, on aimerait savoir si les universités sont impliquées dans ces projets d'ouverture de données. Alors, et comment? Donc, Monsieur Rodrigue. Ben, en fait, de notre côté, puis on a déjà eu dans le cadre des travaux du projet de loi 95, des discussions là avec notamment le bureau de la coopération interuniversitaire, avec lesquels on s'est engagé à travailler. Que le gestionnaire de données numériques gouvernementales va travailler avec les universités parce qu'il y a des particularités dans les universités qui tiennent notamment là, des projets de les professeurs qui travaillent sur des projets de recherche. À qui appartient la donnée? C'est-tu au professeur? Est-ce que c'est à l'entreprise qui subventionne à l'université? Il y a dans le monde universitaire et le monde de la recherche une complexité. Et la dernière chose que l'on veut faire là, au niveau du dirigeant principal de l'information, là, c'est d'arriver avec des normes qui sont
ou des stratégies de mobilité ou des stratégies de valorisation de la donnée qui vont être du mur à mur. Alors, c'est clair que lorsqu'on va être avec le réseau de l'enseignement supérieur, particulièrement les universités, on va s'asseoir avec les organisations pour voir comment on peut adapter les stratégies qu'on va avoir à la réalité des universités. Ça sera la même chose également pour le monde de la santé, notre réseau de la santé et des services sociaux, qui est également un monde où il y a beaucoup de données, mais il y a beaucoup de données qui doivent être protégées. Pas besoin de vous expliquer le pourquoi. Donc, mais il y a de la donnée qui peut être extrêmement intéressante également au niveau de la santé publique. Et puis, je parle même pas de vendre la donnée là, à des compagnies pharmaceutiques. On n'est pas là du tout, là, parce que le projet de loi 95 est principalement là, un projet de loi qui touche la valorisation et la mobilité de la donnée à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Mais pour répondre à votre question sur les universités, c'est clair qu'on va travailler. Nous nous sommes engagés à travailler avec les institutions universitaires là, pour trouver un modèle qui va être le mieux adapté au type d'activité qu'ils ont. Là. Très bien. Donc, effectivement, bon, on sait que les chercheurs sont des grands consommateurs de données, c'est tout à fait normal. En même temps, ce que vous soulevez, ce que vous soulignez, qui est très important, il y a beaucoup d'enjeux juridiques, effectivement, sur la propriété, sur la protection, comment tout ça est protégé une fois que c'est entre les mains du chercheur, comment il y a accès. Donc, ce sont des questions fondamentales. Mais donc, il y a des travaux qui sont faits pour établir là des façons de procéder. C'est ce que j'entends de vos propos. Effectivement, les chercheurs, en fait, sont des producteurs de données, mais sont des consommateurs de données aussi. Et je le dis en toute candeur, certains nous reprochent la difficulté d'avoir accès à de la donnée là, gouvernementale. Donc, pour différentes raisons d'ordre juridique, technologique ou carrément de la trouver, la donnée. Là. Donc, c'est ça ici qu'on veut régler avec notre nouveau système, là, c'est-à-dire de permettre un accès plus facile aux chercheurs qui peuvent ensuite, par leur recherche, créer de la valeur là, pour les citoyens et que les données de recherche également puissent être plus disponibles et accessibles. Là. Ceci dit, c'est très captivant, c'est dossier-là, mais c'est un monde qui, et je ne vous l'apprendrai pas, professeur Carr, c'est un monde complexe, hein, le monde universitaire. Très complexe. Madame Dufort, est-ce que vous engagez les universités? Est-ce qu'ils sont impliqués? Oui, mais ils sont impliqués à plusieurs niveaux. Là. C'est une question très large parce que oui, ils sont impliqués dans nos stratégies. Vous voyez, c'est même la charte de données numériques qu'on a créée, ben on l'a co-créée à l'interne, mais supportée par ce milieu académique. Et non seulement ça, on a eu la chance de travailler avec Nicolas Merveille de l'UQAM pour le nommer. Oui. Mais aussi, on est allé voir plusieurs réseaux ensuite pour voir, tu sais, je veux dire, vous êtes les penseurs. Donc, on veut s'assurer que nos stratégies fonctionnent, on va les challenger, puis on est absolument ouvert à se les faire critiquer, améliorer par le milieu académique. Donc, oui, le milieu académique est impliqué dans nos stratégies. Puis, en contrepartie aussi, je pense que ce qui est important, c'est que nous aussi, on soit là auprès du milieu académique. Tu sais, la relève est formée dans les universités, dans les cégeps, au secondaire. Puis, les données ouvertes, ben on veut qu'elles soient, on se les approprie à ces niveaux-là. Donc là, ben nous, on essaie d'être présents dans les cours quand on est sollicité, quand on nous demande d'aller, de contribuer à des cours. On essaie d'y aller, c'est sûr qu'on n'a pas mis le bras, mais on essaie de s'impliquer aussi à aller prêcher la bonne nouvelle parce que c'est des futurs utilisateurs qui ensuite vont amener de la valorisation de données. Au niveau des projets de recherche, ben c'est sûr qu'on a un contact direct avec la population. On tente au mieux de répondre à ces nombreuses sollicitations pour des projets. Comme je disais, on est une fenêtre ouverte pour avoir une communication avec la ville. Je vous dirais que c'est une grosse portion des gens qui nous sollicitent, c'est au niveau académique pour savoir obtenir des données. Puis en fait, le milieu académique nous aide à prioriser nos ouvertures. Mais finalement, tu sais, je pense qu'il y a un autre morceau qui est vraiment intéressant, c'est comment faire en sorte qu'on obtienne aussi les données universitaires
dans une sphère de données ouverte. Ça, ça reste un défi parce que le milieu universitaire en produit énormément de la donnée. Il y a de multiples projets, puis tu sais, il faut faire attention, nous, c'est sûr, les projets universitaires avec la Ville de Montréal, ben à terme, on veut publier les données, évidemment, mais il y a des études qui ne sont pas avec la Ville de Montréal, puis je pense que c'est important que les données arrivent en ligne, qu'elles soient mises à la disposition de tous, mais sans ce filtre ville où est-ce que c'est des données avec lesquelles on est en accord. Tu sais, moi, je rêve de voir le penchant site web donné pour la Ville de Montréal, pour, bon, de toute la communauté métropolitaine de Montréal, un site de données ouvertes académiques qui vient contrebalancer finalement les données publiques. Alors oui, puis on en veut plus de collaboration, alors cognez à notre porte. Bon, peut-être un problème de... Ah, voilà, c'est moi qui étais déconnecté, donc je ne sais pas si... Oui, probablement. Alors, vous étiez... je vous entendais, Mme Dufort, je trouvais ça intéressant. Donc, ce penchant site web, là, c'était quoi? Bien, je mentionnais qu'un jour, on souhaite voir ça arriver, un penchant site web, mais académique, en fait, via le Centre de recherche universitaire de Montréal, qui est le CRUM, qui a été mis en place à la Ville avec le développement économique. On veut voir ça arriver, plus de données universitaires, mais sans le filtre Montréal, on n'a pas à s'immiscer dans la recherche. Donc, on veut voir des données avec lesquelles, des fois, on n'est peut-être pas en accord, mais il faut que ça arrive sur la place publique et que ça nous challenge aussi. On a reperdu le professeur Caron. Ben, je pense qu'on était rendu au moment des opportunités pour M. Skinner, donc je vous invite à y aller. Je peux élaborer un peu. J'ai un autre angle à offrir à travailler avec l'université. Alors, étant un grand employeur au Canada fédéral, nous travaillons pour évoluer certains curriculums afin d'intégrer les notions de données ouvertes dans l'apprentissage universitaire. Alors, on veut graduer les personnes prêtes à nous aider avec les défis mentionnés plus tôt. Aussi, avec les normes numériques pour le gouvernement du Canada, nous avons reçu des commentaires d'étudiants, professeurs à travers le Canada, mais aussi à l'international. Alors, nous avons vraiment co-créer nos stratégies et nos normes pour les évaluer. Alors, on travaille étroitement avec le côté académique pour être capable de co-créer qu'est-ce qui va être le futur du côté numérique. Désolé, je pense que j'ai des problèmes de connectivité. Alors, me revoilà et je disparaîtrai peut-être encore. Alors, donc, peut-être aller vers... Donc, merci beaucoup pour cette... En fait, c'est un peu le fruit de l'ouverture des données, c'est que ça va permettre à tout le monde de pouvoir débattre de façon éclairée sur différents sujets et avoir différentes opinions aussi, parce que, bon, il y a des regards croisés qui peuvent arriver. Donc, il y a des travaux qui sont faits au niveau universitaire, justement, pour que les données soient réutilisables entre les chercheurs. Lorsqu'on fait une collecte, on a l'habitude de les garder pour soi, mais là, les organismes subventionnaires demandent à ce qu'elles soient réutilisées là aussi, et éventuellement, probablement, publiées lorsque possible avec certains critères. Donc, je pense que c'est un très bon point que vous soulevez. Dernière question, comment voyez-vous les prochaines étapes pour cette ouverture des données? Donc, Monsieur Rodrigue. Ben, les prochaines étapes, c'est sûr qu'elles sont un petit peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on est en train de, au niveau de notre Centre québécois d'excellence numérique, là, qui est responsable là, du gouvernement ouvert. On fait maintenant partie du partenariat pour le gouvernement ouvert. Là, il y a, je pense, plus que jamais au gouvernement du Québec, là, j'ai un intérêt puis un appétit là, pour toute la question des données ouvertes. Ça fait longtemps qu'on en parle, aussi longtemps que je me souviens certainement depuis le début des années 2000. Ça avait démarré plutôt lentement.
Je pense que là, maintenant, on a atteint un rythme qui est probablement pas encore notre rythme de croisière, là, mais on est en train de réorganiser notre structure administrative là à l'intérieur de notre Centre québécois d'excellence numérique, puis de développer une meilleure expertise encore là-dessus. Là, on a des très bons spécialistes qui travaillent avec nous, et puis vous le voyez, là, notre intérêt est de continuer à travailler en collaboration avec l'ensemble de la communauté et tous les niveaux de niveau de gouvernement. Alors on n'est pas, il n'y a pas que la donnée là, qui est ouverte, là, mais notre organisation, on l'est également envers les autres organisations. Alors les prochaines étapes, là, ben c'est évidemment les travaux qui vont être initiés là, prochainement pour notre gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale qui vont alimenter encore davantage là, les avancées qu'on avait faites à cet égard-là au cours des dernières années. Là. Et tout porte à croire que nous avons encore perdu le professeur Caron. Madame Dufort? Merci. Ben, du côté de Montréal, en fait, je le mentionnais tantôt, on a un plan d'action et on veut déployer ce plan d'action-là, travailler davantage avec la communauté, trouver des nouveaux canaux de communication, de démocratisation. On est appuyé, en fait, par Montréal 2030, qui sont nos orientations stratégiques, mais ce qui est génial, c'est qu'à travers ces orientations stratégiques-là, on a aussi le numérique en levier, plusieurs priorités organisationnelles autour du numérique. Donc, on s'appuie là-dessus pour poursuivre nos démarches, autant internes qu'externes. Je voudrais aussi, moi, j'œuvre au sein du laboratoire d'innovation urbaine. On est là pour challenger le statu quo, être des agents de changement. Puis c'est ça aussi, c'est une opportunité à saisir dans nos prochaines étapes. Ben, il y a d'expérimenter davantage à plus petite échelle pour ensuite déployer. Je pense notamment à notre projet Montréal en commun, projet qui finalement c'est la suite là, de notre candidature au défi des villes intelligentes du fédéral, candidature gagnante. On est en train d'explorer des nouveaux mécanismes de gouvernance de données, des projets de mutualisation, villes et organismes privés, publics, d'autres organismes finalement, des opérateurs. Comment qu'on peut faire mieux avec la mobilité, sachant qu'on n'est pas les seuls détenteurs de données. Donc, beaucoup d'expérimentation dans nos prochaines étapes pour qu'on fasse mieux puis qu'on déploie des solutions qui servent vraiment. Puis ben dans nos prochaines étapes, il y a aussi misé sur la collaboration. On a entamé une discussion ici. D'ailleurs, nos trois organisations, on travaille d'arrache-pied. On a travaillé fort ensemble même pour arriver à ce sommet-là. Ben là, on a établi des collaborations qu'il faut qu'ils perdurent, qu'ils croient. Donc, ça fait partie aussi là, de nos prochaines étapes à continuer. Et vous avez soulevé le mot, je pense, le mot important qui est expérimentation. Je pense que c'est par là que beaucoup des prochaines étapes, hein, peu importe, provinciales, municipales, et on va entendre M. Skinner là-dessus, mais je pense qu'il faut expérimenter parce qu'on est dans des territoires quand même assez nouveaux. Et donc, il faut tester, oser en quelque sorte. M. Skinner, de votre côté, prochaines étapes? Oui, je suis complètement d'accord aussi avec l'expérimentation. Il faut commencer des petits projets pour voir ceux qui marchent, qui fonctionnent bien. Là, on investit dedans et on a grandi encore plus. Alors, puis c'est correct d'avoir des projets qui échouent quand on les garde petits. Alors, nous allons considérer la fédération des données ouvertes avec les provinces, territoires et même les municipalités. L'interopérabilité, pour nous, c'est intégral que ça soit supporté par la standardisation de données. Puis j'imagine un jour où on a un dictionnaire commun de nos jeux de données, de toutes les petites choses faciles ou un peu plus faciles comme les dates et les codes de province territoire, mais même beaucoup plus avancés que ça. Alors, nous allons aussi continuer à collaborer à l'international pour partager ce que le Canada fait de bien et aussi apprendre ce que les pays qui ont un peu d'avance sur nous dans certains domaines ont déjà fait, puis qu'est-ce qu'on peut réintégrer puis amener au Canada. Alors, les prochaines étapes continuent notre collaboration internationale, mais aussi le concept clé d'interopérabilité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut attaquer directement pour être capable de résoudre puis offrir des meilleurs services.
Effectivement. Et donc, cette interopérabilité qui va permettre une encore plus grande ouverture en se connectant à d'autres. Peut-être, petite dernière question qui nous vient de l'auditoire qui pose la question, est-ce qu'il y a des jeux de données ou des situations où la vente de données, je sais qu'aux États-Unis, ça s'est fait entre autres au niveau des fonds marins. À un moment donné, j'ai vu qu'on vendait les données donc géomatiques pour des compagnies qui souhaitaient développer des applications. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des considérations dans certains moments donnés? Donc, je ne sais pas, M. Rodrigue. Il va falloir se poser la question. C'est toujours un peu délicat, là. Ça a été sur la place publique le printemps dernier. C'est une réflexion qui reste à faire. Pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas, avec la mise en œuvre du projet de loi 95, là, comme je vous disais, on est davantage encore dans la perspective de mieux utiliser les données aux fins de la prestation de services publics et de valorisation à l'intérieur de l'appareil public et de poursuivre la diffusion de jeux de données ouvertes là, selon les paramètres qu'on a jusqu'à maintenant. Est-ce que mais pour le moment, on n'a pas de projet sur la table là, de se mettre à vendre des données là, à l'entreprise privée. Là. Donc, c'est des questions qu'il faut soient étudiées. Là. Mais pour le moment, on n'a pas nommément de projet là-dessus. Là. Donc, l'ouverture, elle est gratuite, elle est pour tout le monde pour l'instant. Au niveau de la ville? Non, pas de projet de vente des données, bien au contraire, un projet d'en ouvrir plus. En fait, dans notre directive sur les données, la directive de gouvernance des données qui soutient la politique de données ouvertes, c'est le directeur général qui est dépositaire des données au nom des citoyens. Sous-entendu que c'est des actifs qui appartiennent aux citoyens. Évidemment, on est le gardien de la vie privée, de la sécurité publique, donc on doit les traiter. Mais ce qu'on veut, c'est les redonner. Puis quand il y a des limites à leur ouverture, ce n'est pas des limites financières, là, c'est vraiment des limites, justement, de respect des réglementations en place. Mais on veut vraiment poursuivre avec plus d'ouverture, puis des fois, être capable de contourner les enjeux en obfusquant les données, pour être capable d'en donner le minimum ou de trouver des partenariats ou des encadrements, des cadres qui vont permettre de faire des partages qui pourraient être moins ouverts, mais au moins qui permettraient de tirer le plein potentiel, notamment avec les expérimentations sous Montréal en commun. Monsieur Skinner? Ouais, c'est une bonne question qui prend la réflexion. Parce que je me rappelle même, c'est une des discussions initiales il y a beaucoup d'années sur c'est-tu gratuit, est-ce qu'on paye? À cause que c'est un investissement, créer des données et ça a une valeur. Alors, la valeur, elle appartient à qui et elle devrait être diffusée comment? Sur notre portail à Duvance Canada, ces données-là sont gratuites, sont accessibles à n'importe qui. Et il faut se poser la question de ça a été fait, payé par les citoyens et citoyennes. Alors, c'est un bien civique, mais comment qu'on peut relâcher le plus possible tout en protégeant l'information privée, bien sûr. Alors, il faut faire attention quand on relâche différents jeux de données. Je crois que ça a été dit. Alors, ça peut avoir un enjeu. On peut les combiner puis là, dévoiler de l'information privée si on ne fait pas attention. Alors, il faut toujours garder ce balan-là de qu'est-ce qu'on peut relâcher le plus possible, mais tout en protégeant la vie personnelle et les données privées. Très bien. Ben écoutez, on a écoulé notre temps. J'aimerais d'abord, je m'excuse de mes départs à quelques reprises. Donc, j'aimerais vous remercier infiniment pour cette excellente conversation. Donc, qui montre que finalement, on s'est bien enclenché. Il y a des défis de transformation. Donc, et c'est pour ça, je pense que ce lien avec la transformation numérique est tout à fait adéquat de faire ce lien-là, parce que je pense que ça vient avec. Et donc, vous avez soulevé un bon nombre de bénéfices et aussi de défis à relever dans les diverses organisations. Et on voit que, finalement, il y a des prochaines étapes et il y a un énorme potentiel hein, dans l'avenir, donc à l'intérieur de chacune des juridictions, mais de façon interjuridictionnelle. Je pense que ça, je trouve ça vraiment intéressant.